Bonjour et bienvenue dans notre webmission Écofort Sud de Mag, ce rendez-vous dédié à la parole des entrepreneurs de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout d'abord, j'aimerais démarrer avec une actualité de la CPME. Au niveau national, la CPME est mobilisée pour apporter de l'aide aux TPE-PME. La dernière action sur l'ouverture des commerces a porté ses fruits et nous sommes ravis et nous continuons bien sûr la lutte pour permettre à d'autres restaurants, hôtelleries, événementiels, et stations de ski, et puis tous les autres salles de sport, je vais en oublier quelques-unes, de pouvoir ouvrir le plus vite possible. C'est le combat d'aujourd'hui. Au niveau régional, des belles choses, puisque nous allons organiser le jeudi prochain à 18h un événement 100% digital autour des trophées régionaux des entrepreneurs positifs. Et oui, dans ce moment un peu délicat, il est important de mettre à l'honneur nos entrepreneurs, nos pépites, les mettre en lumière sur l'ensemble du territoire. Six prix sont en jeu, la solidarité, la persévérance, la bienveillance, l'éco-responsabilité, le courage et la créativité. Alors inscrivez-vous sur le site de la CPME Sud et regardez les réseaux sociaux pour venir nombreux à partir de 18h, un événement 100% digital où vous pourrez vivre les émotions en direct avec un public enrichi. Je sais qu'il y a déjà 400-500 entrepreneurs qui sont inscrits pour suivre cet événement. Nos TPE-PME, leurs dirigeants sont courageux et dans ce contexte difficile, il était important de porter ces valeurs positives pour leur redonner un peu de bon cœur. Face à la crise, comme vous le savez, le gouvernement a mis en place des aides et a lancé un plan de relance et nous allons dans quelques instants avoir tous les détails de ce plan de relance avec nos invités. On accueille Monsieur le sous-préfet à la relance, Benoît Mournet. Bonjour Monsieur le sous-préfet, bienvenue sur le magazine Écofort Sud, le MAG. Bonjour. Et également Laurent Neyer, directeur régional de la Direct Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Laurent, bienvenue. Bonjour. Un habitué des plateaux d'Écofort Sud de MAG. Et interviendront aussi au cours de ce magazine Jean-Charles Ruggia, président du GNI PACA. Philippe Piantoni, bonjour Jean-Charles. Philippe Piantoni, président de la FRB, Fédération régionale du bâtiment. Bonjour Philippe. Bonjour. Et enfin Marine Boisdin, qui est avocate au barreau de Marseille et surtout membre du bureau de la CPME 13. Bonjour, bonjour à tous. Marine. Bonjour. Alors, on va commencer par monsieur le sous-préfet à la relance. Alors, je vous propose qu'on démarre. Vous venez d'être nommé pour cette mission. Alors, en quelques mots, vous pouvez nous décrire cette mission? Oui, bonjour, bonjour à tous. Oui, fraîchement arrivé, j'en suis heureux, dans la région la semaine dernière. Alors, en fait, le gouvernement a lancé l'initiative de sous-préfet à la relance dans l'ensemble des départements qui sont les sous-préfets déjà en place et dans 30 départements d'en avoir un en plus dédié au sujet. Alors, ma mission, elle est un peu en trois volets. Le premier volet prioritaire, si on peut dire, c'est d'être vraiment le référent sur le département des Bouches-du-Rhône sur les sujets de relance. Il y a un plan qui est très complexe et je vais essayer de mettre en exergue quelques points saillants qui peuvent intéresser particulièrement les PME, les TPE. Mais l'idée, c'est bien de partir des projets et des besoins du territoire et voir comment on les rentre dans le plan de relance. Et c'est pas un exercice descendant. Le deuxième volet, c'est un travail de coordination régionale avec l'ensemble des référents relance de la région de PACA. Et je pourrais citer qui ils sont pour nos internautes qui sont dans les autres départements. Et enfin, un exercice de communication comme aujourd'hui, et merci de m'en donner l'occasion, et qui sera aussi pour moi l'occasion de, je ne sais pas si on aura des interactions, j'ai pas l'habitude de l'exercice, mais peut-être pour moi de prendre aussi des questions. Il y aura des questions des internautes, bien sûr, et on est là pour ça. Alors, juste quelques questions introductives. Est-ce que toutes les entreprises sont concernées par ce plan de relance? Oui, absolument. Alors, à des degrés divers, puisque quand même le cœur, la première étape, ça a été sur les mesures de sauvegarde. Et là-dessus, on n'en est malheureusement pas encore sorti. Je veux quand même reciter le fonds de solidarité qui a été porté à 20% du chiffre d'affaires pour les entreprises fermées administrativement. Je veux aussi reciter un dispositif parfois méconnu, le crédit d'impôt pour les propriétaires bailleurs.
pour les chefs d'entreprise qui louent leurs locaux, sachez que vos propriétaires bailleurs peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% s'ils renoncent au loyer. Et puis, bien sûr, tous les dispositifs d'activité partielle, vous avez le site Activité partielle, qui est connu, et dans ce plan de relance, notamment, est inscrit les mesures d'activité partielle longue durée. Donc ça, c'est la partie sauvegarde. Mais on ne peut pas déconnecter la sauvegarde de la relance parce que les deux doivent se penser, s'initier en même temps. Et donc, sur la partie relance, vous savez, il y a trois grands blocs. Un bloc de transition écologique, un bloc de compétitivité et un bloc cohésion. Et les chaînes d'entreprise sont concernées par les trois. Sur la rénovation écologique et thermique, en particulier des bâtiments, il y a le crédit impôt qui a été boosté, et y compris avec des subventions, des appels à projets de l'ADEME. Sur le bloc compétitivité qui vous concerne au premier chef, et je pense que Laurent Meyer ira aussi dans les détails, mais on peut citer les aides sur la transformation numérique, en particulier des entreprises. Bien sûr, la baisse quand même des impôts de production qui, par définition, concerne l'ensemble des entreprises. Et puis sur le bloc cohésion, je cite simplement l'exemple de l'aide à l'embauche des jeunes qui peut intéresser aussi nos internautes. Alors sur le volet, par exemple, transformation numérique, comment ça peut se passer pour un entrepreneur? Comment il fait appel à ses aides et ça va de d'où à où? Alors, j'ai mis dans le live, dans le chat, quelques liens utiles. D'abord, les chefs d'entreprise peuvent aller sur le site France Relance, qui est un peu le point d'entrée général avec une entrée par entreprise où vous trouvez l'ensemble des aides et vous avez une entrée TPE, PME. Et ensuite, spécifiquement sur le numérique, c'est le site ASP, www.asp-public.fr. On est en train de le voir dérouler en bas de l'écran. Là, vous avez, s'il y a de l'investissement là, ça concerne plutôt les entreprises industrielles dans la robotique, la numérisation. Ils peuvent bénéficier d'un remboursement de l'investissement jusqu'à 40%. Et ensuite, de manière plus générale, vous avez francenu.gouv.fr qui, là, apporte une aide à l'ensemble des entreprises sur leur transformation numérique. J'invite à aller sur ce site. Par exemple, si je suis commerçant, et que je veux prendre le virage de la transformation numérique, est-ce qu'il y a des aides potentielles là-dessus? Oui, alors francenum.gouv.fr là-dessus. Alors je vous invite à y aller. Et là, vous avez des aides alors qui peuvent être plutôt sous la forme de conseils. Là-dessus, je vous cache pas que j'ai pas tous les détails. Peut-être que Laurent Meyer pourra nous compléter là-dessus, mais en effet, il y a des aides sur le financement de transformation. Ça me permet de faire la transition, monter avec nous sur le plateau Laurent Meyer, qui est directeur régional de la Direct. Laurent, bienvenue encore une fois. Merci pour l'aide que la Direct fait aux entreprises régionales et l'attention que vous y portez. On est très sensible, je voulais le rappeler à nos auditeurs. Merci. La Direct est fortement mobilisée depuis le début de la crise, avec bienveillance. Alors, quelles sont les nouveautés, là, les aides aux TPE-PME par rapport à ce qu'on a pu vivre au début de la crise, Laurent? Bon, en fait, si j'avais envie d'un peu de résumer, entre la première et la deuxième crise, on va dire les deux périodes de confinement, les recettes sont les mêmes, elles ont été largement élargies, le périmètre, les bénéficiaires ont été largement élargis et aussi les montants ont été largement élargis. Les recettes sont toujours les mêmes, elles ont déjà été largement citées par Benoît Mournet, c'est-à-dire l'allègement des charges fiscales et sociales qui va même maintenant jusqu'à des exonérations partielles selon les cas, une prise en compte encore plus forte des soutiens à la trésorerie. Les PGE ont été largement assouplis, rallongés en termes de remboursement. Les modalités des échéances ont été donc entre guillemets facilitées. Et en plus, le PGE est ouvrable maintenant jusqu'à juin 2021. L'activité partielle, je tiens quand même à le dire, effectivement, ça c'est un gros sujet sur lequel la Direct est en première ligne
a été également maintenu et en plus facilité sur un certain nombre d'entreprises. Alors les entreprises, les TPE, PME qui sont fermées administrativement ont droit au plein pot. Celles qui sont, vous l'avez dit, culture, sport, événementiel, tourisme, ont également droit à l'activité partielle à un bon niveau. Et puis nous avons lancé dans l'entre-deux sur l'activité partielle, la fameuse activité partielle de longue durée, qui est très intéressante pour les entreprises qui se projettent déjà après la crise, parce que là, je parlais d'accompagnement, de soutien pendant la crise, mais il y a l'après-crise, il y a le redémarrage, et qui, se projetant, se disent derrière, je vais peut-être avoir besoin, dans les 36 mois qui viennent, des périodes de battement sur lesquelles je préfère maintenir en emploi mes salariés plutôt que de les débaucher, plutôt que de les licencier et de recruter après, sachant que derrière il y a des pertes en ligne incommensurables et l'impact social est très fort. Et donc derrière, on va dire l'activité partielle de longue durée est une sorte de contrat moral entre l'entreprise et l'État qui va soutenir largement cette activité partielle, mais sur le long cours et pas simplement pendant la crise, avec par contre un engagement de l'entreprise de tout faire pour maintenir dans l'emploi ses salariés. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant à citer. Nous avons aussi largement aussi soutenu les salariés qui sont en arrêt pour faire de la formation pendant qu'ils sont encore quand ils sont inemployés, entre guillemets, ben, il y a le FNE qui soutient largement la formation. Nous avons travaillé avec les opérateurs de compétences là-dessus. L'idée étant vraiment que maintenir le plus possible les salariés dans leur entreprise pour permettre un redémarrage le plus rapide possible des entreprises. Alors, Benoît Mournet vous l'a dit également, le fonds de solidarité a été largement abondé. Hein. Il y a 6 à 8 milliards d'euros qui ont été rajoutés pour cette période-là, avec des taquets qui sont beaucoup plus importants. On parle de 10 000 euros, 20% du chiffre d'affaires. Donc, c'est très important également pour ces entreprises-là. Alors, les nouveautés aussi. Ouais, juste sur ce volet, ouais. Sur ce volet-là, pardon, est-ce qu'on peut redonner un peu les précisions sur qui peut avoir 15% du chiffre d'affaires, 20% du chiffre d'affaires? Voilà, alors attendez, il faut que je regarde si j'ai mes notes sous les yeux, parce que vous parlez vraiment là de... Je crois que un peu précis, parce qu'on nous pose des questions tous les jours là-dessus. Hein. Donc par exemple, les restaurants, tous ceux qui sont fermés administrativement, a priori, ont droit à 20%. Ouais. Et ceux qui sont comme l'événementiel, qui a un petit peu d'activité, comme certains, peut-être ceux qui sont collatéraux, ils ont plutôt 15%. Hein. C'est ce qu'on a compris, vous confirmez? Je confirme, effectivement. Par contre... C'est toujours un peu c'est pas la difficulté, mais c'est l'adaptabilité du gouvernement sur ces mesures-là. C'est que, vous l'avez dit, Alain, vous nous faites remonter systématiquement les besoins des entreprises. Vous, à votre échelle territoriale, mais également au niveau national, ce qui fait que ça inclut le fait que l'État revoit, essaye d'améliorer ses dispositifs pour coller le plus possible aux réalités, dans la mesure du possible, en réalité de ses besoins. Ça veut dire que derrière, ça évolue beaucoup. Ouais. Donc, moi, j'ai juste une recette à vous donner, parce que ce que je vais vous dire là, peut-être que dans 2 semaines, ça aura évolué. La recette, c'est premièrement vos experts comptables. Ils sont au courant. On a en relation avec eux régulièrement, au niveau national déjà, mais au niveau local, ma porte est ouverte pour répondre à des questions. Et je pense que ce sont eux les bons relais de cette technicité, finalement. On va pas transformer tous les chefs d'entreprise en des hyper-techniciens. Je pense qu'il y a des soutiens qui sont là. Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes un soutien, vous, les chambres consulaires, voilà. Donc, je pense qu'il faut passer par ces relais-là. Et puis, surtout aussi, aller régulièrement sur France Relance. C'est le site que vous a donné. Vous avez tout, que ce soit les mesures de soutien ou les mesures du plan de relance. Et là, vous êtes vraiment à jour. Je pense qu'il faut toujours aller à la source. Toujours à la source. Alors, dernière question sur le télétravail. Quel conseil donneriez-vous aux chefs d'entreprise aujourd'hui? Alors, il faut bien comprendre que si on veut, et il le faut collectivement, battre cette crise, battre cette épidémie, il faut le plus possible éviter, ça vous le savez, ça a été rabâché et c'est normal, éviter tous les contacts, le plus possible les contacts sociaux, les contacts de rapprochés, parce que c'est ça qui va malheureusement permettre cette propagation de la pandémie. Le télétravail, la règle qui a été donnée par la ministre Elisabeth Borne, par le gouvernement, c'est pousser le plus possible les curseurs du télétravail. Toute tâche qui peut être télétravaillable, vous devez la mettre en télétravail. Alors, je dis vous devez, ce n'est pas un devez réglementaire, on ne va pas vous tomber dessus, là je parle avec ma casquette, inspection du travail, mais c'est du bon sens. Pousser le plus possible les curseurs pour mettre en télétravail les salariés qui peuvent l'être dans toutes les tâches. Deuxième chose,
utilisez toute la souplesse qui est à votre disposition pour leur permettre, en termes d'horaire, en termes de mobilité, de ne pas se chevaucher et de pouvoir arriver dans des horaires décalés pour éviter trop les croisements, on va dire. Essayez de concentrer les actes de présence nécessaires à des moments donnés pour pouvoir libérer le plus possible en termes de télétravail. Ça, c'est les règles. Après, il y a un principe de réalité aussi. Il y a beaucoup d'actions, de métiers, de tâches qui ne sont pas télétravaillables. Et là, c'est geste barrière, geste barrière, geste barrière, c'est tout. Il faut port du masque obligatoire, voilà, tout ce qu'on connaît déjà, les distanciations, les jauges. Ça, c'est une nouveauté aussi dans les commerces, puisque maintenant, il y a des jauges qui se mettent en place. Et c'est vraiment dans notre intérêt général et tout. Si on veut pouvoir préserver notre économie à moyen et long terme, il faut qu'on joue tous le jeu. Moi, je pense plus... Voilà, les entrepreneurs aujourd'hui ont pris conscience. Je sais, c'est pour ça que je ne vais pas parler d'action. Donc, on continue à leur recommander bien sûr le télétravail et respecter les distanciations. Donc, c'est vraiment des choses. Par contre, c'est vrai qu'il y a des métiers, c'est un peu plus compliqué. Alors, on va accueillir le président de la Fédération régionale du bâtiment sur le plateau. On va remonter avec nous le sous-préfet. Et je vais laisser, on va faire une petite table ronde avec tout le monde là. Je vais laisser la parole à Philippe pour nous dire un petit peu l'état d'esprit du bâtiment et puis peut-être poser deux, trois questions à nos invités avec Laurent aussi sur le plateau. Merci Alain. Alors effectivement, le bâtiment par rapport à d'autres secteurs a beaucoup de chance puisque contrairement au premier confinement, nos chantiers tournent sans trop de difficultés, donc l'activité est bien revenue. Alors elle est bien revenue, mais essentiellement sur des carnets de commandes qui étaient antérieurs au premier confinement. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est demain parce que depuis mars, les appels d'offres sont en chute libre. Surtout sur la partie publique. On a eu aussi une coupure complète à cause du confinement des instructions de permis de construire qui ont repris, mais qui restent aujourd'hui, je dirais, toujours plus longs que l'année dernière. Et on est sur des niveaux d'appels d'offres de moins 25, moins 35% par rapport à l'année dernière. Donc, on a une grosse inquiétude sur 2021, bien évidemment. Donc là, Monsieur Mournet, on est conscient que le plan de relance aujourd'hui amène aux collectivités territoriales possibilité de faire des appels à projets, de sortir des projets qui seront des chantiers pour nous demain. Dans quel délai ce plan de relance va être mis en place? Quelle est la capacité aux collectivités territoriales à leur niveau d'engager rapidement des projets? Et puis, comment on suit tout ça? Parce qu'on sait bien que c'est pas le tout, je dirais, d'avoir des fonds nécessaires, mais faut-il encore que la mécanique se mette en marche et puis surtout qu'on puisse en assurer le suivi. Monsieur Mournet. Absolument. Là, c'est vraiment le défi qu'on a, rapidement enclencher sur le terrain la concrétisation de ces financements, parce que le volet rénovation énergétique, notamment les bâtiments publics, pour le coup, et à la main de l'État, les concentrés, qui intervient et aide les collectivités parce que la dotation d'investissement de locaux, et l'État intervient jusqu'à 80%. C'est pareil. La rénovation d'écoles de Marseille. Et donc là-dessus, ensuite, il y a l'enclenchement et cette dotation, d'ailleurs, c'est des mois précédents. Elle n'est pas forcément testée dans les questions. Là, moi, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Ce n'est pas un problème de financement, c'est un problème de mise en œuvre de la mécanique. Donc, je pense qu'il faudra qu'on se parle directement et voir en particulier s'il y a des endroits où vous vous sentez un peu désœuvré et qu'on peut essayer de faire le lien avec les collectivités pour voir ce qui bloque
dans la mise en œuvre opérationnelle du projet, parce que à l'échelle nationale, c'est 2 milliards d'euros sur la rénovation des bâtiments publics et ont été remontés jusqu'à 8 milliards d'euros de projets. Et donc, le gouvernement aura à faire un tri. On a bien sûr priorisé. Et donc, il y aura des chantiers de l'État et des chantiers des collectivités dans les semaines et mois qui viennent. Vous ne pouvez pas, en effet, dans le premier semestre. Moi, j'ai une question complémentaire. Est-ce que les appels d'offres seront un peu simplifiés? Parce que vous savez que les TPE-PME, globalement, ont du mal à répondre à des appels d'offres, aux appels à projets. Est-ce qu'il y a aussi, dans ce plan de relance, une vision de simplification de la réponse à... Bien sûr. Alors, sur le bâtiment, là, on n'est pas du tout sur la logique de l'appel d'offres, puisque c'est des travaux. Donc, ensuite, les marchés publics, et puis l'appel à des entreprises. Après, les appels d'offres ne sont pas si compliqués, hein, très honnêtement. Et on est. Je cite par exemple, et Laurent Meillard pourra le compléter, l'appel à projet de territoire d'industrie, qui ne s'appelle pas au grand groupe. Hein. On a des exemples, hier matin, pour 15 projets ont été validés dans la région, pour des aides jusqu'à 800 000 euros sur des projets innovants ou pas, en tout cas d'entreprises qui ont été impactées par la. Le tissu industriel, il y a l'appel à projet résilient aussi par la directe, il y a eu un succès. Donc, ça, ce ne sont pas très compliqués. Mais là-dessus, je veux dire que l'appel qui sort. Si les choses ne sont pas en place, peut-être qu'on n'est pas. Moi, je veux dire que je suis évidemment à votre disposition. Lance des réseaux consulaires, des services de l'État pour orienter et lever les blocages qui venaient à être pour les Alpes-Maritimes, c'est le secrétaire général de la préfecture, M. Loss. Pour le Var, c'est Audrey Graffaut qui est la sous-préfète de la mission sur le plan de relance. Les deux départements alpins, ce sont les secrétaires généraux respectifs sur les Alpes de Haute-Provence. Et M. Cédric Berlin sur les autres. Le Vaucluse, par arriver à un pied du Donc on essaie quand même d'être en réaction. N'hésitez pas à nous solliciter. Merci M. Monnet. Peut-être une dernière question. Oui, juste pour terminer donc sur la commande publique, on a effectivement l'impression d'avoir un décalage entre les annonces et la réalité du terrain. Mes présidents et présidentes départementaux de fédération ont fait un tour de leur donneur d'ordre, de leur collectivité territoriale, et c'est vrai que les retours, c'est plutôt on est en difficulté, on ne peut pas investir, on n'a pas la capacité, etc. Donc je crois qu'effectivement, il y a vraiment... une explication de texte, entre guillemets, et je crois qu'il faut vraiment qu'on se parle pour qu'on puisse vous faire nos retours. Merci. Sur les volontiers. Je crois que ma directrice nous a demandé audience. Voilà, merci à tous les deux. Merci Philippe. On va faire monter notre ami Jean-Charles Ruggia du GNI. Et on va garder sur le plateau Laurent Neyer pour l'instant et on va régler les petits problèmes de son qu'on a pu avoir avec le sous-préfet Bournet. Jean-Charles, tu présentes un petit peu en deux mots qui tu représentes et puis une petite question donc au directeur de la directe. Là tu n'as pas mis le son, toi. Ah. Pardon. Voilà, ça y est. Vas-y. Le GNI est le groupement national des indépendants. On représente bien entendu la profession des CHR, café, hôtel, restaurant, traiteur, discothèque, principalement PME, TPE. Et j'ai le plaisir et l'honneur de présider ce groupement pour la région. Alors, nous, contrairement peut-être à M. Piantoni, nous sommes dans une situation
Vous la connaissez, bien entendu, je ne vais pas la refaire, l'escalier catastrophique. Voilà. Aujourd'hui, j'entends parler de plan de relance. Pour nous, c'est un mot d'espoir. On est totalement, bien entendu, décidé à repartir. On va se battre jusqu'au bout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qui dit relance, nous avons été stoppés, arrêtés, enterrés. La relance, pour nous, va être très complexe. Aujourd'hui, des annonces ont été faites concernant les aides et nous nous en réjouissons. La dernière concernant donc, les 10 jours de congés payés qui vont être pris en compte par l'État, ça va dans le bon sens, nous sommes très heureux. J'avais eu l'occasion de dire au préfet de région, concernant ces aides, il faudrait bien entendu qu'elles soient plus audibles par tous. Beaucoup d'entreprises nous font remonter les difficultés qu'elles rencontrent sur les inscriptions, sur ces sites et plateformes diverses. Et bien entendu, on essaye, comme la CPME, comme d'autres, de les aider et de les guider dans ces démarches-là. Ça reste encore un petit peu compliqué. Aujourd'hui, moi, j'aurais une question qui dit relance, dit investissement pour les entreprises. Comment investir ? Bien sûr, pour se développer, pour être dans le cadre de cette relance, alors que nous sommes aujourd'hui quasiment tous sans trésorerie, que nous supportons des dettes grandissantes. Je reviens aussi sur le PGE, les crédits divers, mais aussi des plaies qui n'ont pas été pensées, comme celle de nos loyers. Hein ? Donc, pour l'instant, je suis à une petite étude que nous avons faite. Les 50% proposés donc, de crédit d'impôt aux bailleurs privés ne le satisfont absolument pas. Ils exigent quand même le paiement des loyers. Nous sommes face aujourd'hui à des banques, c'est très nouveau ce phénomène, hein, il faudra s'en emparer également, à des banques qui ne veulent plus accorder de crédit et surtout de découvert aux établissements du CHR. J'ai plusieurs retours nationaux sur ce sujet-là, donc des difficultés avec les organismes bancaires. Donc voilà, c'est aussi un projet sur lequel, enfin, un problème sur lequel il va falloir se pencher. Et on pourra vraiment rentrer dans la relance quand ces problèmes-là, ces plaies anciennes déjà, au mois de mars, seront pensées. Ta question, alors on me dit de signaler à M. Mournet qu'il doit ressortir du studio, re-rentrer pour que le son soit de meilleure qualité. Donc je lui souffle dans l'oreille. Est-ce que, Laurent, est-ce que vous pouvez répondre peut-être déjà aux premières interventions ? Je ne sais pas s'il y a beaucoup à répondre. C'est un constat qui est partagé et qu'on partage à tous les niveaux. Hein, je veux dire. Toutes les réunions préfectorales que j'ai et au niveau national, ces constats-là nous remontent. Je note hein, le fait, par exemple, que les 50% d'exonération de crédit d'impôt plutôt qui étaient faits aux bailleurs n'ont pas porté autant les fruits que ce qui était escompté. Effectivement, je le note. Bon, après, c'est un retour d'expérience à chaud qui est important parce que de toute façon, je vous l'ai dit, cette mesure avait déjà largement évolué. Auparavant, c'était 30%, mais sur 3 mois. Après, c'est 50% sur le mois de novembre. Sur le mois de décembre, je sais qu'en lien avec les services, c'est plutôt la DDFIP ou la DRFIP, ils vont être encore plus vigilants à essayer d'être plutôt réactifs et donc anticiper ces sujets-là. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, on est dans cette agilité constante. Mais le constat que monsieur cite, il est largement partagé. Je veux dire, je peux rien dire d'autre. C'est vrai qu'on a un cataclysme qui impacte les entreprises qui sont fermées, de fait. Et celles qui sont sous celle qu'on a citée, la liste 1, S1 bis, qui sont toutes ces entreprises connexes, tourisme, événementiel, sport, on le sait, elles sont impactées. L'heure actuelle, on est dans l'urgence. Je suis désolé de le dire, mais c'est de la transfusion. On essaie de les maintenir en vie pour pouvoir, lorsqu'elles vont enfin avoir de l'activité économique, reprendre. Parce que là, je pense qu'on n'est pas dans le plan de relance, on est dans le plan de soutien, dans le plan un peu, entre guillemets, de survie pour l'instant. Je veux dire, c'est peut-être un peu dur comme mot, mais c'est le cas. Et effectivement, le plan de relance tel qu'il a été cité, c'est plutôt pour les entreprises qui ont commencé à reprendre finalement de l'activité et qui peuvent se projeter. Je pense que pour votre cas très précis, hein, vous êtes quand même un cas nombreux, vous êtes à peu près 10% du PIB régional. On est dans un cadre, on est encore dans le cadre de ben, comment est-ce qu'on va faire pour passer le lendemain. Donc, voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, j'ai pris des notes, mais elles sont tellement cohérentes avec ce que j'entends par ailleurs, les relations que j'ai avec les différentes organisations professionnelles, que malheureusement, on va les faire remonter. Je n'ai pas la... Alors,
ce que je peux dire derrière, premièrement, c'est que naturellement, on est à votre écoute, mais ça ne va pas vous aider grandement. Il y a vraiment cette notion de faut passer le cap. Après, une fois qu'on a passé le cap, on est en train de discuter justement avec le niveau national, au-delà de la défaillance des entreprises, comment est-ce qu'on pourrait les rebooster à ce stade-là. Donc, alors, ce que je veux dire, c'est que M. Mourvet nous a rejoint, est-ce que dans le plan de relance, il y a quelque chose de spécifique pour les restaurateurs, l'hôtellerie est-ce qu'il y a, un volet qui les concerne? Oui, pardon, alors j'ai été déconnecté, j'ai mal fait, j'arrive pas à revenir ensuite. Bon, là, à court terme, sur les hôteliers restaurateurs, je le disais, là, on est quand même sur le fonds de solidarité, il y a les prêts garantis, les petits prêts qui étaient un coup dans la raquette, la banque des par la Caisse des dépôts régionale aussi, le fonds Covid, le fonds d'urgence de la région, les banques des territoires, voilà. Ensuite, sur le plan de relance, ça c'est l'urgence. Voilà. Sur le plan de relance, proprement dit, les entreprises ne lancent que des entreprise, on la baisse de production, les mesures d'initiative sur la transition écologique par des projets, et sur les jeunes, c'est peut-être un malentendu, aussi, C'est vrai qu'on n'a pas réussi complètement à régler votre son, hein, puisque c'est encore un peu haché. C'est encore un peu haché. Si vous avez des écouteurs, ça peut-être pas mal. Alors, juste une question peut-être pour Laurent. Pendant ce temps, il y a des internautes qui nous demandent, certains métiers se prêtent au télétravail, mais quid des crèches qui n'acceptent pas de prendre en charge les enfants de nos salariés qui sont en télétravail? Compliqué. Ouais, effectivement. Il faudra que je fasse le lien parce qu'il y avait des assouplissements qui étaient possibles avec la CAF, mais il faut que je vérifie, ou la caisse de plutôt maladie. Il faudra que je vérifie ça effectivement, parce que c'est une réalité. Hein. C'est comme premier épisode. Alors premier épisode, c'était quand même beaucoup plus complet. Il y avait des, on était plus dans la systématique, mais là effectivement. Allez, je fais mon petit joker, Alain. Il faut que je revienne avec vous pour voir, parce que ça se croise. Il faut que je croise ça avec la caisse d'assurance maladie et voir s'il y a des choses qui sont prévues. Et je n'ai pas envie de dire de bêtises, là. Je préfère vérifier. Dernière question, Jean-Charles. Oui, un constat, surtout par rapport à ce qu'a dit M. Mournet. Je n'ai pas pu tout bien entendre par rapport à la liaison. On parlait des PGE. Effectivement, les PGE, on va faire un petit retour en arrière au mois de mars. Ça a été ce qui nous était annoncé comme salvateur, et on en a eu bien besoin. Mais il y avait quand même un critère important qui était en compte, c'est que la reprise devait se faire en septembre. Donc on sait tous, cette reprise ne s'est pas faite. Elle n'est pas encore là, mais je pense qu'elle ne sera pas là demain. C'est à mon grand désespoir d'ailleurs. Et ça a impacté encore plus nos entreprises. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On était parti sur un constat au mois de mars, en septembre, on n'est plus du tout dans la même logique, et bien entendu en décembre, c'est encore plus grave, puisqu'on est prêt à essayer de reprendre, pour ceux qui le peuvent, d'autres prêts, pour essayer de survivre et de ne pas perdre les entreprises. Aujourd'hui, je ne sais plus qui a employé le mot de survie, je crois que c'est M. Denier, c'est tout à fait la bonne manière de nous décrire. Donc, ce qui est incohérent dans tout ça, mais c'est la faute à personne, c'est que tout évolue, tout change, et ce qui était peut-être valable au mois de mars ne l'était plus en septembre et encore moins en octobre. Malheureusement, nos entreprises ont été encore plus impactées par tous ces prêts, et aujourd'hui, on ne sait vraiment plus comment s'en sortir. Moi, aujourd'hui, j'ai très souvent des chefs d'entreprise en larmes qui perdent tout. Je ne sais plus comment les conseiller. On a une grosse crainte, puisque vous l'avez dit, l'État a placé les entreprises sous perfusion, c'est un mot exact, précis, pour le mois de mars, hein, pour les ouvertures. Je pense qu'après l'ouverture, si elle se fait bien le 20 janvier, pour l'instant, on en doute encore, hein, on verra, si elle se fait bien le 20 janvier, on va voir comment vont se comporter les entreprises. Les plus faibles, je pense, vont rencontrer des difficultés énormes,
Et on va être obligé de cesser l'activité. Donc, c'est là ce constat, je pense qu'on l'a tous fait. Mmh. On accompagne au mieux. Et c'est vrai, on attire, nous, au niveau national, le gouvernement sur le mur de Mars. En mars, il va y avoir une hécatombe. Et c'est là que le PGE, bien sûr, tout le monde pousse pour qu'il rentre en fonds propres. Mais la charnière, ça sera ce PGE. Comment il sera géré? Si on le repousse de 2 ans, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut peut-être viser 3 ans dès maintenant? Est-ce qu'il faut faire un prêt de consolidation? C'est ce qu'a proposé la CPME avec toutes les dettes et les étaler sur 10 ans pour les entreprises qui n'avaient pas de soucis jusqu'à maintenant, quoi, et sauver cette économie-là. Merci Jean-Charles. Alors, je vais faire monter sur le plateau maintenant Marine Boisdin, qui représente la CPME 13, donc un territoire, après les fédérations, les territoires, et qui, elle aussi, a des questions. Marine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci. Du coup, une question très rapidement, parce que je vois que le temps passe. J'avais une question, une problématique sur les congés payés qui s'accumulent pour certaines entreprises et qui va représenter une charge importante. Donc, je voulais savoir, j'ai vu qu'il y avait une annonce très, très récente là, sur les congés payés, une prise en charge de congés payés. Est-ce qu'on connaît les détails et les conditions pour en bénéficier? Je ne sais pas si c'est M. Neyer ou M. Mournier qui pourra m'apporter des précisions. Qui veut répondre? Laurent, Je suis désolé, mais j'ai rien entendu en fait. J'ai un écran noir. Ah oui, d'accord. La question, c'était sur les congés payés. Donc, on a reçu un mail ce matin de la CPME. Est-ce que tu entends là? La CPME a envoyé un mail ce matin disant que le gouvernement était en train de travailler sur les congés payés et qu'il y allait se passer des choses pour prendre la prise en charge. Est-ce que vous avez une info là-dessus ou pas? Alors. Je vais avoir peut-être une info cet après-midi parce qu'on a rendez-vous avec la ministre de ce soir à 18h30. La ministre va nous faire un certain nombre de communiqués. Donc voilà, je suis encore dans le côté très chaud de l'information. Je n'ai rien de très complet à vous dire. Ça vous montre un peu la réalité de nos métiers. C'est-à-dire que j'ai des réunions tous les 2 jours avec les ministres pour avoir des infos complémentaires et pour accompagner au mieux les territoires. Donc, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Ça avance très, très vite. Alors, une question du 05. Est-ce qu'il est prévu de recruter des chargés de mission par territoire pour porter auprès des entreprises le plan de relance, Benoît? J'étais en train de répondre par quatre, mais en effet, merci de m'en redonner l'occasion. Alors, non, il n'y aura pas des chargés supplémentaires, parce que l'idée est surtout pas de créer des couches administratives de plus, c'est de faciliter ce qui existe déjà, donc il y a les réseaux consulaires qui sont le plus principal des entreprises. Ensuite, bien sûr, dans le 05, comme je le disais tout à l'heure, il y a les services de l'État et la préfecture qui sont aussi à votre disposition, là-bas, secrétaire général Cédric Verlin. Et donc, je comprenais que le besoin, c'était d'essayer de multiplier les points de rencontre et de communication. Et ça, il faut nous y employer. Là, aujourd'hui, vous m'en donnez l'occasion, mais on était dans l'idée, notamment Laurent Meyer, d'élaborer une stratégie plus systématique sur l'ensemble de la région pour répondre à cet objectif. Oui, je pense que c'est essentiel. Hein. Internet, je trouve, sont assez clairs, mais je comprends que ça ne remplace jamais l'interaction. Oui, je pense que c'est important que vous veniez au contact. Et je crois que Marine a une invitation à vous faire, d'ailleurs, à tous les deux. Le 13 organise un événement dans pas longtemps. Marine, micro. Oui, pardon. Le salon Entrepreneur 13. Donc, je ne sais pas si vous avez une invitation pour un workshop, par exemple, il y a déjà l'URSSAF, la région qui font, donc ça serait intéressant parce que c'est bien de garder le contact. Et effectivement, je parle aussi aux internautes qui nous regardent, les chefs d'entreprise qui ont des difficultés, il faut vraiment les remonter au territoire, au CPME, pour qu'on puisse directement vous les relayer. Et lors de ce salon, effectivement, il y a donc 100% digital cette année. Un salon complètement virtuel avec des workshops. Effectivement, je vous y invite de prendre contact. C'est la CPME 13 donc, qui l'organise. Et ça serait effectivement très intéressant d'avoir des contacts et des interlocuteurs sur ces problématiques.
Benoît, on fera passer vos coordonnées à la CPME 13 pour qu'elle vous invite. Laurent, ça doit être déjà dans les tuyaux, j'imagine. C'est déjà dans les tuyaux, mais effectivement, je n'avais peut-être pas réagi comme il fallait. Ce n'était pas très ciblé, donc s'il y a des choses ciblées… 3300 entrepreneurs qui ont visité le salon en réel l'année dernière. Donc ouais, c'est un moment où il faut y être, c'est important. Donc c'est le 17 décembre. Hein. 17 décembre, moi. Allez, alors, quelle action, une question des internautes, quelle action engagée auprès du médiateur des entreprises sur les refus non motivés d'accès aux aides? Alors, c'est très générique comme question, sachant qu'en règle générale, on a à peu près une bonne cinquantaine de sollicitations du médiateur des entreprises par semaine. Donc, je ne comprends pas le détail de la question. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont sollicité le médiateur des entreprises? Bon, en gros, juste de manière générale, quand le médiateur des entreprises est sollicité sur des problématiques liées à l'administration, notamment parce que c'est des refus d'accès aux aides ou par rapport au système bancaire, le médiateur se met directement en contact avec les services de l'État ou para-étatiques, on va dire, ou même bancaires en question. Donc, nous sommes, alors mes agents sont des facilitateurs, c'est-à-dire qu'ils vont mettre le doigt là où ça fait mal et essayer de faire exprimer de manière claire par un tiers de confiance avec la Marianne, donc c'est quand même l'État, de faire exprimer à ce tiers pourquoi est-ce que vous avez refusé et de les mettre un petit peu dans leur... d'essayer de tirer... Face à leur contradiction. Voilà, face à leur contradiction et essayer de les pousser un peu dans leur retranchement. Et c'est ce qu'on a apprécié depuis le début de la crise, Laurent, et je le dis parce que c'est important. Voilà. Chaque fois qu'on vous sollicite ou vos services, chaque fois, il y a une action qui est menée pour faciliter le lien avec les entreprises et les administrations. Et c'est vrai qu'au bout du bout, ça fonctionne. Alors, on arrive au terme de cette webmission. Je voulais vous remercier tous d'avoir été présents, remercier tous les internautes qui nous ont suivis. Bien sûr, elle va être en replay, donc vous pouvez la partager sur l'ensemble des réseaux, sur les territoires, auprès des entrepreneurs. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine webmission, mais avant, au trophée des entrepreneurs positifs, jeudi prochain à 18h. Nous, on sera en direct de la CPME du 83 à Toulon. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée et surtout, restez concentrés, vigilants et positifs. À bientôt.